Cela fait plus de 50 ans que Frédéric François partage la vie de Monique Vercotteran. Et comme la majorité des couples, les deux tourtereaux ont vécu des moments de bonheur, mais également des drames. Marié à elle, amour de sa vie, on peut dire que Frédéric François est un homme heureux. Cependant, leur vie n'a pas toujours été rose. D'ailleurs, elle, un des drames qui ont le plus marqué le couple fut la perte de jumeaux avant leur naissance. Frédéric François, sans un sou, tombe amoureux de Monique qui travaille dans une usine Ilzès, MC, est certain. Mais la romance entre Frédéric et Monique n'aurait jamais vu le jour si cette dernière, Noël, n'avait pas abordé. Dès lors, les deux tourtereaux ne se sont plus jamais quittés. Sûrs de leurs sentiments, le couple n'a d'ailleurs pas attendu longtemps pour officialiser leur relation, puisqu'un an après leur rencontre, soit en 1970, ils se sont mariés. Frédéric François et sa femme Monique, 3 février 2011. Photo, Getty Images. Heureux en amour, l'artiste n'hésite pas à faire des confidences. Ce fut notamment le cas en mars 2020 lorsqu'il a raconté leur première rencontre, sur le plateau de « Je t'aime, c'est heureux ». Je jouais de la guitare sur un muret et elle travaillait dans une usine. Ce jour-là, elle nettoyait devant chez elle et elle est venue vers moi. C'est quelqu'un de particulier, c'est la femme dont je rêvais. C'est la première fois qu'une femme s'intéressait à moi, s'est-il rappelé, avouant qu'il s'est souvent fait, de gré largue par des femmes, plus ou moins par le passe. Cette rencontre était le début d'une belle et longue romance entre les deux tourtereaux, puisque depuis, ils semblent nager dans le bonheur. Nous faisons en sorte que chaque moment qui passe soit important. On ne hausse jamais la voix pour des choses qui n'en valent pas la peine, plus ou moins avait affirmé le chanteur de 71 ans, ajoutant que sa bien-aimée et lui s'entendent toujours très bien. Et heureux, Frédéric et sa femme ont perdu deux enfants en un jour avant de devenir parents depuis leur rencontre. Frédéric François et Monique Vercotteran ont tout fait pour être heureux ensemble. Malheureusement, leur vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Fait, dans les années 1980, le couple a été frappé par un terrible drame, la perte de jumeaux. Le chanteur Frédéric François pose lors d'une séance de portrait à Paris, France, le 9 mai 1997. Photo. Getty Images. Alors qu'elle était enceinte, Monique est admise en urgence à l'hôpital. Et c'est là-bas que les médecins lui ont annoncé la pire des nouvelles. Coup dur pour le célèbre chanteur qui affirme avoir vécu un cauchemar et un événement douloureux de sa vie. Le chanteur Frédéric François pose lors d'une séance de portrait à Paris, France, le 12 avril 1997. Getty Images. La naissance de leur fille Victoria, qui les aide à atténuer la douleur en perdant leurs jumeaux, Frédéric François et sa femme ont vécu le pire drame de leur vie. Néanmoins, ils ont pu tourner la page avec l'arrivée de Victoria. Frédéric François se produit au Grand Rex le 12 octobre 2019 à Paris, France. Photo, Getty Image, degré, on a décidé très vite d'avoir un autre enfant. C'est ainsi que Victoria est arrivée. Qu'a permis d'atténuer la douleur, plus ou moins a confié le chanteur, reconnaissant néanmoins qu'une perte pareille ne s'oublie jamais. La vie des quatre enfants de Frédéric François qui travaillent tous avec lui. Manager, peintre, orchestre. Frédéric François est fier d'avoir une si belle et grande famille. Avec sa femme, ils ont quatre enfants, qui jouent chacun un rôle particulier dans sa carrière. Victoria,
Anthony, Gloria et Vincent font, en effet, la fierté de leurs parents. Tant que ces derniers évoluent tout dans le milieu artistique. Gloria officie dans le monde du cinéma et est en charge des clips de son illustre père, tandis que son frère Vincent S. occupe des orchestrations. Gloria, elle, est peintre et s'occupe des pochettes des disques de Frédéric François. Que elle, on puisse dire, c'est, et que pour elle, époux de Monique Vercotteran, ses enfants sont sa fierté. Notons qu'à une époque, elle, un des, entre eux est implique dans une sombre histoire. Comment le confinement rapproche encore plus Frédéric François et sa famille? Nous avons compris l'importance de la vie, il faut dire que Frédéric François a une famille soudée. N'a fait que renforcer le lien qui les unit. Cela nous a rapproche encore plus. On a compris l'importance de la vie, de la famille. La vie ne s'arrête pas. Avec Confiel, artiste dans un interview, avant des, ajouté, degré seul la base familiale peut nous permettre de nous relever quand quelque chose ne va pas. Plus ou moins le père de famille a affirmé dans son interview. Degré déjà, il est, il y a plus de peste dominicale que mon en a elle. Habitude en famille. Était notre rendez-vous alors, avec Monique. Désormais on se fait nos petits plats de pâtes, plus ou moins avait-il déclaré. Si, Frédéric François, avec la femme de sa vie, ils ont perdu deux enfants en un jour. Abonnez-vous à mon mame sur Google News.